Yépa tout le monde, l'heure est grave. J'ai eu envie de parler d'un sujet qui fâche. Pourquoi ai-je le besoin de mentir? C'est vrai ça. On est tous humains et on a tous menti au moins une fois dans notre vie ou si ce n'est le faire régulièrement. C'est comme ça. Qu'est-ce qui fait que on ment ou on veut mentir ou que spontanément on ment ou voire même que parfois on ment et on ne sait pas comment. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais dans notre inconscient, voilà, on est en train de mentir, mais on ne l'identifie pas comme un mensonge. On en est persuadé nous-mêmes, en fait. Donc voilà, il y a parfois différents stades de mensonges qui peuvent arriver. Et voilà, je dis, l'heure est grave, parce qu'il faut se responsabiliser, parce que pourquoi est-ce qu'on ment? Ben souvent, on ment parce que nous sommes des individus qui fonctionnons à l'économie. Et pour aller à l'économie, nous allons faire ce qui est le plus facile. Et parfois, ben, pour éviter d'avoir à donner des explications, on ment. Voilà, donc c'est peut-être aussi pour sortir de certaines situations. Voilà, il est parfois préférable dans certaines situations de mentir, ça c'est l'opportunité, c'est pour éviter des complications. Ou alors le risque, c'est le cas de figure dont je vous parlais tout à l'heure, le risque ce serait de mentir et de plus savoir qu'on ment. Et ça peut arriver aux gens. Donc voilà, là par contre ça devient embêtant. Donc dans ce cas de figure, il faut se responsabiliser, il faut se remettre en question et s'améliorer. Pourquoi est-ce qu'on ment? Quelle est la légitimité de le faire? Et est-ce qu'il y a un intérêt à le faire? Voilà, gestion du risque de mentir. Ça, c'est à chacun de voir, je dirais. Le sujet est peut-être même plus un débat philosophique. Voilà, mais c'était comme ça. Allez, je rigole. C'est qui a menti? Yépa, c'est pas moi. Bon, en tout cas, faut pas mentir, c'est pas joli. C'est ce qu'on dit aux enfants, donc nous les adultes, faut tâcher de le faire. Et l'appliquer, même si c'est difficile, mais. Allez, yépa, à bientôt et ne mentez plus, s'il vous plaît.